Je
Mais ça fait hyper mal, mais tu sais courir après ça. C'est quoi, c'est pas une autruche, c'est quoi? Je sais plus c'est quoi. Alors on va regarder là-bas. Ouais, derrière. Allez, c'est juste qu'il faut gêner aussi. On va faire un bâtiment vraiment nickel. C'est pas bon là.
Quand il a un an, il fait à peu près 40 kilos. Ah ouais. Du coup, quand il sera adulte, j'ai l'impression qu'il fait plus gros que ça. Il a peut-être passé les 40 kilos. Je crois que j'ai pas les dernières prises. Mais c'est pas mal, il fait à peu près une 40 kilos. Du coup, quand il sera adulte, 5-6 ans, il prend entre 250 et 300 kilos. Il va avoir une belle courbe de poids. La femelle que vous avez vue juste avant, Flora, elle fait 80 kg, c'est un poids classique pour une femelle. Mal comme beaucoup plus. Ah oui, on est en train de travailler la rentrée, la sortie. C'est pour ça que vous voyez disparaître Amandine et Yoni, et vous la voyez revenir. Là, elle va lui demander de prendre l'école. Et elle va le re-rentrer et elle va le ressortir. En fait, dans le bâtiment, on a des boxes. Chaque box, c'est le starting block pour l'otarie. C'est là où elle va aller avant chaque session. Donc ça, il est en train de l'apprendre, il est en train de le découvrir. Et j'avoue que la rentrée, la première rentrée en boxe se passe à peu près bien. Surtout parce qu'en fait, il suit le mouvement. C'est-à-dire que tout le monde rentre, donc il suit le mouvement. Par contre, la deuxième, ou en tout cas pendant les sessions, il a un petit peu plus de mal. Là, ce que fait Amandine, et ce qu'a fait Amandine, c'est ça. C'est le faire rentrer pendant pour qu'il, lui, se dise pas « Ah, si je rentre, j'ai fini. » Parce que c'est pas de rentrer, en fait, qui l'embête. C'est que, en fait, comme elles aiment passer du temps avec nous, il se dit « Bah, si je rentre, elle va avoir fini avec moi, puis elle s'occupera plus de moi. » Donc, il vient, en fait, s'utiliser dans sa tête « Ah, parfois, je vais rentrer, puis elle va revenir. » Il y a même des fois où on va se dire « Regarde, regarde, il va le prendre, là. » Des enfants en vrai, ouais, c'est génial. Ouais. Tu es encore mieux de voir comme ça. Ouais, ouais. Et alors on fait beaucoup ça nous en vrai. Par exemple le matin 11h c'est entraînement commencé. Ah. En fait ce que je fais là c'est quasiment ce que je fais d'habitude le matin. C'est juste que j'ai pas de micro. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui nous le disent. Mais nous on aime bien ça aussi parce que bah, c'est vous montrer vraiment comment ça marche. Finalement une présentation quand c'est calé, rodé, bah, ça roule parce que les animaux ça fait leur affaire et compagnie. Exactement. Mais limite ça perd son charme parce que. C'est différent. C'est bien aussi, je vais pas le critiquer, c'est chouette. Mais ça c'est bien parce que c'est rentré dans notre intimité. Finalement, est rentré dans l'intimité de l'animal. Et c'est de la tendance de matin. Bien sûr. Bah, on en parlait tout à l'heure, la mentalité des gens évolue et ça c'est vraiment bien. Ça nous permet mais. C'est que finalement ils disent, bah tu rentres, on va alors en gros on a une formule 1, parce que Johnny il a depuis 4 semaines. Moi c'est la première otarie que je vois qui au bout de 4 semaines est capable d'en faire autant. En fait la première chose qu'on va travailler avec une otarie c'est la confiance, pour gagner la confiance de l'animal. Une fois que cette confiance est gagnée, on va commencer à prendre ce qu'on appelle le target. Le target ben, c'est ça, c'est la tournée là-dessus, on va tourner sur notre camp. Et après on va commencer à prendre d'autres trucs. Mona vous avez vu en premier là, on va les récompenser. Elles ont bien travaillé, donc c'est récompense. Allez hop, je ressors et c'est récompense. Le problème avec Yoni, donc j'ai utilisé le mot dangereux, si c'est, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais une otarie qui apprend vite, c'est une otarie qui a envie aussi. Ouais. Et du coup, il faut que vous soyez derrière, il faut assumer ça, il faut que vous soyez tout le temps derrière, parce que notre adversaire, en fait, c'est la frustration. C'est-à-dire qu'un animal qui se frustre, au bout d'un moment, il va charger en tension, et à un moment, il faut qu'il évacue cette tension. Et c'est, par exemple, le moyen de se faire mordre. Et donc du coup, ça va être à nous d'aller à son rythme. Par contre, à l'inverse, ça va être à nous d'aller à son rythme, mais de pas aller trop vite non plus, parce qu'on sait qu'il apprend vite. Et du coup, c'est ça la difficulté, c'est qu'il va falloir aller un peu plus vite que les autres, mais pas trop vite, parce qu'on sait qu'il va aller trop vite. Trop vite, ouais. Alors surtout, si t'en as une dans ton jardin, tes parents vont risquer 15 000 euros d'amende et 7 ans de prison, puisque ce sont des animaux protégés. Ah, la peluche, on est gonflable avec... C'est ça, c'est le bord de la piscine. On va creuser, faut une sacrée piscine. Ça fait combien de profondeur, là? Alors nous, on a un grand bassin, on a cette source-là, il fait 3 mètres de profondeur par 3 mètres. Ça, c'est... On prend la plaie.